千人の証し熊取りが出たろ。ナルトちゃんはジライヤちゃんをしのぐ千人になったということかいな。絶対勝つ。Yo tout le monde. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas à quel point Naruto modermite est monstrueux. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où j'explique à quel point ce Naruto est cheaté, parce que quand on se penche un peu sur le sujet, il y a vraiment plein de trucs à dire. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on divise la vidéo en deux grandes parties, en expliquant d'abord le modermite et son fonctionnement, puis en analysant les déclarations et les combats de Naruto modermite, pour ensuite évaluer son vrai niveau. Bon visionnage. Pour bien comprendre pourquoi Naruto modermite est monstrueux, on va commencer par reposer les bases du Senjutsu. Après la mort de Jiraiya contre Pain, Fukazaku emmène Naruto au mont Myoboku pour l'initier au Senjutsu, mais concrètement, le Senjutsu, c'est quoi? Comme l'explique Fukazaku, le Senjutsu est le chakra produit par la fusion du chakra de l'utilisateur et de l'énergie naturelle. Vous le savez sûrement, mais pour malaxer et contrôler son chakra, le shinobi doit combiner son énergie spirituelle et son énergie corporelle. Mais en combinant de l'énergie naturelle aux énergies spirituelles et corporelles, l'utilisateur produit du chakra senjutsu, qui est bien plus puissant que le chakra habituellement utilisé pour produire du ninjutsu, du genjutsu, ou encore pour renforcer son taijutsu. La première étape de l'entraînement en modermite consiste donc à ressentir l'énergie naturelle pour pouvoir la capter. Pour faire ça, l'utilisateur doit rester parfaitement immobile pour ne faire qu'un avec la nature. Les ermites du mont Myoboku utilisant aussi une huile spéciale qui permet de capter l'énergie naturelle afin de faciliter le processus d'apprentissage. Mais pour produire du chakra senjutsu, l'utilisateur doit réussir à créer un équilibre parfait entre énergie naturelle, physique et spirituelle, et c'est là que réside la vraie difficulté de l'entraînement. Parce qu'après avoir appris à ressentir l'énergie naturelle, et même avec de l'huile, il faut quand même être capable de la capter et de la malaxer dans les bonnes proportions. Si le shinobi ne capte pas assez d'énergie naturelle, il ne pourra pas produire de chakra senjutsu, et s'il en absorbe trop, il risque d'être submergé par les forces de la nature. D'ailleurs, c'est important de préciser que tout le monde ne peut pas être initié au modermite, parce que comme l'explique Fukazaku, sans un gros potentiel de chakra à la base, le shinobi initié au senjutsu se fera submerger par l'énergie naturelle beaucoup trop rapidement, et il sera donc face à un gros risque de se transformer en grenouille de pierre, donc vraiment pas ouf comme projet. Et en soi c'est assez logique, puisque, comme on l'a dit, il faut parfaitement doser énergie naturelle, spirituelle et corporelle. Donc forcément, le moins on a d'énergie spirituelle et corporelle de base, autrement dit de chakra, bah le moins on pourra capter d'énergie naturelle sans risquer d'être submergé. C'est pour ça que tous les shinobi ne peuvent pas être initiés au modermite. Sinon, pourquoi ils se priveraient, j'ai envie de dire. Même si bon, bien sûr, il faut aussi trouver un ermite qui soit ok d'enseigner le senjutsu, ou bien trouver par soi-même une des grandes régions ermites, comme le mont Myoboku, la forêt Shikotsu ou la grotte Ryūchi, ce qui est vraiment pas facile à faire. Bref, une fois que l'utilisateur est capable de ressentir et de capter l'énergie naturelle, comme j'ai dit, il doit ensuite réussir à correctement la doser, et s'il y parvient, il entrera alors en modermite. Pour que le shinobi soit considéré comme un ermite parfait, il doit pouvoir malaxer une grande quantité de chakra senjutsu et dans les proportions exactes. Jiraiya par exemple, il n'avait pas pu aller au bout de cette étape de l'entraînement, vu qu'il devait toujours faire des allers-retours entre le mont Myoboku et Konoha. Résultat, il développait des caractéristiques physiques de crapaud quand il entrait en mode ermite. D'ailleurs, à un moment contre Pain, on voit que son corps prend encore plus des traits de batracien, donc on peut en conclure qu'il malaxe encore plus d'énergie naturelle qu'avant à ce moment-là. On peut aussi noter que Jiraiya n'a pas l'air de maîtriser toutes les techniques propres aux ermites du mont Myoboku comme le Kata des crapauds par exemple. Parce que oui, une fois en mode ermite, le shinobi va pouvoir en plus apprendre les techniques ermites spécifiques à la région où le senjutsu lui a été enseigné, et c'est bien sûr ce que fera Naruto. Jiraiya par contre, il a pas l'air d'avoir suivi cette partie de l'entraînement, ou du moins pas jusqu'au bout, vu qu'il a quand même appris la fusion, qui est justement une des étapes de cette dernière phase d'initiation au mode ermite des crapauds, mais on va y revenir. Avant ça, il faut voir ce que le senjutsu apporte concrètement comme power-up, et les avantages de cette forme. Bon, on le disait plus tôt, mais de façon vous le savez, malaxer du chakra senjutsu offre à l'ermite un boost, notamment en termes de statistiques physiques. Au niveau de la force brute par exemple, on voit que Fukazaku arrive à soulever une statue de pierre géante, et contre Pain, on le voit carrément balancer Gamabunta, qui fait 17 mètres on le rappelle, donc vraiment pas mal pour une petite grenouille. Plus concrètement, on voit que Naruto arrive lui aussi à soulever ces mêmes statues de pierre, alors qu'il venait tout juste d'apprendre à produire du chakra senjutsu, et qu'il pouvait même pas la soulever d'un centimètre en forme de base. Ensuite, on le voit attraper le rhinocéros de Shikushodo et le balancer dans les airs sans transpirer contre Pain. Plus tard, il réalise à peu près le même exploit contre la moitié Yang de
Kurama dans son espace spirituel. Niveau endurance et résistance, comme le Modermite est décrit par Fukasaku comme une suractivité de l'organisme, le corps de l'utilisateur devient plus résistant et il récupère plus rapidement. On voit carrément que Naruto résiste à une chute de plusieurs dizaines de mètres la tête la première sur des pics de pierre et il s'en sort sans aucune égratignure, alors qu'en forme de base, Fukasaku était obligé de le rattraper pour éviter que ça arrive, ce qui sous-entend bien sûr qu'une telle chute aurait causé de sérieux dégâts à Naruto en forme de base. Aussi, comme le chakra Senjutsu fait appel à l'énergie naturelle, qui est extérieure à l'utilisateur, bah ce dernier il va dépenser moins d'énergie en combat, et il est donc plus endurant, en plus de bénéficier d'une meilleure récupération, là encore comme expliqué par Fukasaku, du moins lorsqu'il maintient la forme. La dernière statistique physique boostée par le mode ermite, c'est bien sûr la vitesse. Bon, déjà grâce au boost de force physique, l'utilisateur peut se propulser plus loin et plus haut, notamment en faisant des sauts immenses dans le cas des ermites du mont Myōboku, logique, hein, c'est censé être des crapauds, ce qui va forcément augmenter sa vitesse de déplacement, même si c'est difficilement quantifiable. En termes de réflexe par contre, le mode ermite est vraiment cheaté. Il permet à l'utilisateur de percevoir le danger, ce qui va forcément impacter son temps de réaction. Couplé à la force physique du mode ermite, ce boost de perception propulse l'utilisateur dans un tout nouveau tiers en termes de vitesse de combat, mais on développera ça dans la partie sur les feats de Naruto Modermite. Enfin, j'en parlais juste avant, le dernier avantage du Modermite, c'est le nouveau panel de techniques qu'il offre à l'utilisateur. En plus de pouvoir renforcer toutes ses stats, le Shinobi a accès à des techniques exclusives à son Modermite. Les ermites du mont Myōboku par exemple ont développé un style de combat unique, le Kata des Crapauds, qui permet à l'utilisateur d'exploiter l'énergie naturelle qui l'entoure dans un rayon proche pour augmenter la portée de ses attaques physiques. Grâce à ça, Naruto devient par exemple capable de frapper ses adversaires, et ça même s'il ne connecte pas directement ses coups. Pour parler un peu en termes de chiffres, le boost que procure le Modermite est difficilement quantifiable, mais on sait que ça rend l'utilisateur au moins 10 fois plus fort qu'en forme de base. Je dis ça parce qu'on sait que la marque maudite niveau 2 est décrite par deux fois comme une transformation qui décuple la puissance, et que pour rappel, cette marque maudite est un dérivé du Kekkei-Genkai du clan de Jugo, qui permet justement d'absorber l'énergie naturelle sans formation aux arts ermites. Pareil, dans le troisième databook, la technique Katon Grande Boule de Feu de Jiraiya, elle est décrite comme plus de 10 fois supérieure à sa version sans Senjutsu en termes d'échelle. Mais bon, pour rappel, le boost conféré par le Senjutsu va dépendre de la quantité d'énergie naturelle emmagasinée, donc j'insiste bien sur le fait que le boost x10, c'est vraiment un strict minimum, parce que la marque maudite et le modermite imparfait de Jiraiya sont pas réellement comparables avec les modermites parfaits de Naruto, Kabuto ou Hashirama par exemple. Déjà, on sait que toutes les marques maudites ne se valent pas, par exemple on a les marques de la terre de Kimimaro ou du ciel de Sasuke, qui sont les deux plus puissantes, alors que les déclarations qui parlent d'un boost x10 concernent Sakon et Jirobo, qui ont quant à eux une marque inférieure. Ensuite, c'est confirmé par Kabuto que la marque maudite ne vaut pas le Modermite quand il explique avoir maîtrisé l'énergie naturelle en apprenant le Senjutsu dans la grotte Ryuchi. Il qualifie même la marque maudite d'artifice et il dit bien avoir été encore plus loin dans la maîtrise du Senjutsu, ce qui sous-entend que la marque maudite, voire même le Kekkei-Genkai du clan de Jugo sont des formes d'utilisation du Senjutsu inférieures au Modermite, ce qui est assez logique, vous me direz. Donc voilà, imaginez un ermite parfait avec un flux constant et un gros volume d'énergie naturelle, bah il peut théoriquement atteindre des multiplicateurs bien supérieurs à x10, c'est vraiment abusé. Bon, et c'est bien beau tout ça, mais il y a quand même des désavantages au mode ermite. Bah ouais, forcément Kishimoto il est pas fou, sinon ça aurait été beaucoup trop cheaté. On l'a dit, pour collecter l'énergie naturelle, l'utilisateur doit être en harmonie avec la nature, ce qui lui demande de rester parfaitement immobile. Et pas besoin de vous expliquer en quoi c'est pas forcément une très bonne idée dans une situation de combat. Pour régler ce problème, les différents ermites qu'on a vus dans la série ont chacun trouvé une astuce. Celle de Jiraiya, c'était donc de pratiquer la fusion, on en parlait tout à l'heure, un processus qui consiste à avoir soit Fukasaku, soit Shima, voire les deux sur ses épaules, pour qu'il collecte l'énergie naturelle à sa place pendant que lui il est en mouvement. Processus que Naruto pourra malheureusement pas utiliser à cause de Kyuubi. Mais Naruto il a trouvé une autre solution en exploitant les propriétés des clones d'ombre dont le chakra revient à l'utilisateur quand ils sont annulés. Ce qu'il fait du coup c'est qu'il produit des clones qui emmagasinent l'énergie naturelle pour générer du chakra Senjutsu et dès que l'original arrive à court, hop, Naruto révoque un des clones et il repasse en mode ermite. Bon, le problème de cette stratégie, c'est que déjà faire des clones ça coûte du chakra, donc s'il en fait trop pour collecter de l'énergie naturelle, bah ça va nerf l'original, ce qui est pas malin. En plus, ça demande un petit temps de préparation, et enfin, bah ça limite la quantité de chakra Senjutsu au nombre de clones déployés, logique. Mais bon, ça reste quand même une super bonne strat qui impressionnera même Fukasaku et Shima. Après, on a aussi Kabuto qui arrive à produire une grosse quantité de chakra Senjutsu grâce à sa maîtrise de son mode ermite, et sûrement aussi grâce à ses modifications génétique pour entrer dans la forme rapidement et la maintenir longtemps. Il y a aussi l'idée selon laquelle il s'est implanté de l'ADN de Jugo pour obtenir son Kekkei-Genkai, ce qui lui permettrait de capter l'énergie naturelle en continu avec, mais je suis pas vraiment fan de cette idée qui est
est pourtant très répandu, parce qu'il a l'air de dire à Sasuke que sa maîtrise de l'énergie naturelle, il la doit justement à son entraînement dans la grotte Ryuchi, et que, pour une fois, il a pas volé ce pouvoir à quelqu'un d'autre. En plus de ça, pendant son combat contre Itachi et Sasuke, il flex en montrant tous les pouvoirs de ceux qu'il a absorbés, mais à aucun moment il parle de Jugo, à part justement pour dire qu'il a pas eu recours à un artifice pour maîtriser l'énergie naturelle. Pareil, aucune mention du Kekkei-Genkai de Jugo par Kabuto dans le 4ème databook. Enfin bon, vu toutes les expériences cheloues qu'il a fait, ça reste très possible qu'il ait utilisé l'ADN de Jugo après avoir développé le mode ermite pour maintenir la forme, ce serait même assez bien vu, mais contrairement à ce qu'on entend souvent, bah c'est pas dit explicitement dans le manga. Et enfin, on a Hashirama qui contourne lui aussi ce problème en étant un gros bûcheron énervé. Bah ouais, ça marche aussi. Bon voilà, maintenant qu'on a expliqué le fonctionnement et les propriétés du mode ermite, on peut s'attaquer à l'analyse de Naruto dans cette forme. Bon, au niveau des déclarations déjà, on a trois personnages qui disent directement ou indirectement que Naruto est plus fort que Jiraiya avec le mode ermite. D'abord, on a Fukasaku qui dit que Naruto surpasse Jiraiya dans la maîtrise du mode ermite pendant leur entraînement, et après ça, face à Pain, il dit carrément que Naruto a dépassé ses prédécesseurs, en faisant allusion à Minato et Jiraiya. Et alors, cette deuxième déclaration, vous allez me dire, ouais, mais elle fait peut-être pas référence à de la puissance globale, mais encore à la maîtrise du Senjutsu par exemple. Et ok, admettons, mais ça s'arrête pas là. Parce que pendant leur combat, Tendo dit à Naruto qu'il est très fort, et que c'est la première fois que Pain est autant malmené. Et en même temps, logique, Jiraiya a galéré contre 3 corps de Pain, et dès que les 6 sont débarqués, il s'est fait nodif, donc ça devrait être évident, mais visiblement ça l'est pas pour certains, donc oui, même Pain reconnaît que Naruto lui donne un plus gros combat que Jiraiya. Sinon, on a aussi la déclaration de Tsunade qui dit que Naruto est parti s'entraîner au Mont Myōboku justement pour dépasser Jiraiya, et comme on sait, son entraînement a été un succès, donc par extension, son objectif de dépasser Jiraiya aussi, et les déclarations de Fukasaku qu'on citait plus tôt, bah elles vont dans ce sens. Donc voilà, Naruto mode ermite plus fort que Jiraiya, c'est un débat qui devrait être clos en fait, juste avec les quelques déclarations des trois personnages que j'ai cités, donc Fukasaku, Pain et Tsunade, et notons que même le 4ème databook va dans ce sens. Mais vous savez quoi, je suis d'assez bonne humeur, donc je vais en profiter pour débunk les arguments des fans de Jiraiya qui disent que Naruto l'a pas encore dépassé dans l'arc Pain, même si ce serait juste un contresens narratif, mais bref. Bon, le premier argument bien éclaté, Jiraiya est plus fort que Naruto en forme de base, donc s'ils entrent tous les deux en mode ermite, bah Jiraiya reste plus fort. Bon, évidemment, si vous avez suivi, vous savez que les modes ermites de Jiraiya et de Naruto sont juste incomparables, et le boost offert par le mode ermite parfait de Naruto est bien plus grand que celui du mode imparfait de Jiraiya. En plus, c'est toujours bon de rappeler que Naruto pré-entraînement au Senjutsu, c'est vraiment quelqu'un, et Kakashi lui-même le reconnaît comme aussi fort, voire un peu plus fort que lui. Donc ajouter à ça le boost du mode ermite parfait, en plus de l'entraînement avec Fukasaku au combat batracien, et on obtient un Naruto exponentiellement plus fort, et qui a donc surpassé Jiraiya. Pas convaincu? Ok, analysons un peu leur combat contre Pain. Quand Jiraiya tente de frapper Ningendo dans son angle mort avec un coup de poing, le corps de Pain arrive à réagir sans problème, et encore pire, il bloque carrément l'attaque avec une seule main. Pendant ce temps-là, on a Naruto mode ermite qui prend de vitesse Shurado, submerge Gakido avec son kata des crapauds et Tendo avec son taijutsu, les envoyant tous les deux valser sur plusieurs mètres avec un seul coup. Et on rappelle que quand Jiraiya a lui aussi réussi à frapper un des corps de Pain avec son taijutsu, ça l'a même pas mis KO, alors qu'après la patate de Naruto, Gakido a dû être réparé par Jigokudo. Donc rien qu'en termes de force physique, ça place Naruto devant Jiraiya. Pareil en termes de vitesse d'attaque, la technique des 1000 aiguilles de Jiraiya est décrite par lui-même et le databook comme la plus rapide de son arsenal, et on voit que Shikushodo y réagit sans aucun problème avec son invocation, et idem, Gakido arrive à réagir sans transpirer à son Rasengan géant et à son Goemon pour les aspirer, alors que Naruto mode ermite arrive à complètement prendre de vitesse Shikushodo avec son Rasen Shuriken, qui heureusement se fait sauver par Ningendo. Donc voilà, la soi-disant attaque la plus rapide de Jiraiya, c'est même pas ouf par rapport aux techniques de Naruto. D'ailleurs, comme je disais, le 3ème databook décrit les 1000 aiguilles capillaires de Jiraiya comme la technique la plus large et rapide parmi les attaques en mode ermite, et certains utilisent parfois cette tournure de phrase un peu bizarre pour dire que cette attaque de Jiraiya est plus rapide que toutes les techniques ermite, donc y compris celle de Naruto. Et bien sûr, c'est complètement faux. Déjà parce qu'on vient de prouver le contraire avec des éléments du manga, et ensuite parce que le 3ème databook, il couvre les événements du manga jusqu'au chapitre 402, et l'entraînement de Naruto au mode ermite commence à partir du chapitre 409, donc bref, il y a vraiment rien qui va avec cet argument. Pour en revenir au perf contre Pain, on voit également que Naruto forme de base arrive à faire plus ou moins jeu égal avec Tendo au corps à corps, et dès qu'il entre en mode ermite, il arrive à réagir au coup d'estoc de Tendo avec ses bâtons noirs, qui avait pourtant totalement pris de vitesse Kakashi et son Sharingan à 3 Tomoe quelques chapitres plus tôt, et en soi c'est assez cohérent avec les rapports de force qu'on évoquait plus tôt. Naruto forme de base avant son entraînement et Kakashi sont comparables et comparés, donc Naruto forme de base post-entraînement doit être à minima du niveau de Kakashi, voire potentiellement un peu au-dessus. Parce que là où Kakashi réagit difficilement aux assauts de Tendo au corps
corps à corps et finit par se faire submerger, Naruto forme de base fait globalement une meilleure performance face à Tendo, et même si leur échange est un peu court pour juger l'écart entre ce Naruto et ce Kakashi, bah au final Naruto il se fait pas submerger comme Kakashi contre Tendo. Bref, dans tous les cas il y a un truc qui est sûr, c'est que la relativité entre Naruto forme de base et Kakashi est renforcée par leurs performances respectives contre Pain. Bah ouais, je vous ai dit, Naruto forme de base pendant l'arc Pain c'est vraiment quelqu'un. Alors bien sûr je précise que les comparaisons que j'ai fait avec Kakashi c'était principalement sur du corps à corps, et on sait que Kakashi a d'autres talents, mais tout ça pour dire qu'on peut très bien argumenter en faveur de Naruto forme de base plus fort que Kakashi à ce stade. Et pour rappel, au début de l'arc, Kakashi il est reconnu par Tsunade et Jiraiya comme étant digne de devenir Hokage. Et bon, on va pas rentrer dans le débat Kakashi arc Pain versus Sanin forme de base, et en plus j'ai déjà donné mon avis sur la question dans le passé, mais c'est assez clair que ce Kakashi il donnerait un combat à Jiraiya en forme de base, et pourtant Naruto est décrit comme supérieur ou égal à ce type là. Donc vous ajoutez à ça les boosts conférés par le mode ermite parfait, et on se rend bien compte que l'argument Jiraiya forme de base plus fort que Naruto forme de base, donc Jiraiya mode ermite plus fort que Naruto mode ermite, repose sur du vent. Autre argument en faveur de Jiraiya, le fait que Pain ait dit que s'il connaissait son secret, il serait mort. Bon, je vais pas y passer des plombes, mais en gros il y a deux façons d'interpréter cette déclaration. La première, c'est que si Jiraiya savait que Nagato contrôle les Pain à distance, il aurait pu tenter de le repérer et aller s'en prendre à lui directement, vu qu'au village caché de la pluie, Nagato se tient à une distance raisonnable de ses corps de Pain, et dans ce cas là il aurait été en danger, parce que Nagato il est pas en état de combattre lui-même, hein. Pour rappel, le gars il est en fauteuil roulant. Deuxième interprétation possible, c'est que le secret auquel fait référence Tendo, c'est qu'il y a 6 et non 3 corps de Pain, auquel cas tous les corps de Pain auraient pu être piégés dans le champ de confrontation du crapaud, et donc Jigokudo aurait pas pu les réparer. Bon, perso, je penche plutôt pour la première interprétation, vu que le secret en question pour lequel Jiraiya laisse un message codé avant de mourir, c'est justement que les 6 corps de Pain sont contrôlés à distance par un 7ème. Et bref, dans tous les cas, Jiraiya lui-même reconnaît que même en mode ermite, il finirait par se faire trucider contre 3 corps de Pain, en tout cas sans le champ de confrontation du crapaud, et dès que les 6 corps débarquent, il se fait foudroyer. Pareil au niveau des capacités, j'expliquais pourquoi en termes de statistiques physiques et de ninjutsu, Jiraiya est dépassé par Naruto, mais on pourrait aussi parler de ses capacités sensorielles, qui sont très loin d'égaler celles de Naruto. Jiraiya ne ressent même pas Shurado arriver dans son dos, et même si on se dit qu'il avait baissé sa garde, bah il était toujours en mode ermite, et Shurado a même le temps de lui lâcher une punchline avant de lui arracher le bras sans que Jiraiya puisse réagir correctement. De toute façon, ça rejoint ce que j'expliquais plus tôt sur le niveau de maîtrise du senjutsu par Jiraiya, et à son niveau d'avancement dans l'entraînement aux techniques ermite par rapport à Naruto. Visiblement, Jiraiya il a préféré pratiquer la fusion avec Fukasaku et Shima pour maintenir son mode ermite, plutôt que d'apprendre les techniques de combat batraciennes. Et en soi c'est logique, hein, dans l'ordre des priorités, il faut d'abord pouvoir maîtriser le senjutsu, avant de penser à s'entraîner aux techniques qui sont exclusives aux personnes qui maîtrisent le mode ermite. Comme l'explique Fukasaku, faute de temps, Jiraiya il a dû prioriser, et il est jamais allé au bout de sa formation au senjutsu, donc c'est logique qu'il bénéficie pas de tous les boosts de Naruto mode ermite et pas dans les mêmes proportions. Et du coup, ses capacités sensorielles sont un assez bon indicateur de ça. Fukasaku il dit même texto à Naruto que Jiraiya était loin de maîtriser l'art du mode ermite, à l'inverse de Naruto justement. Pour finir, même si on s'intéresse au match-up, bah Jiraiya n'a vraiment rien pour inquiéter Naruto qu'il surpasse dans tous les domaines en fait. Force, réflexe, vitesse d'attaque, capacité de destruction, puissance de feu. Je veux dire, même le champ de confrontation du crapaud c'est pas un argument parce que Naruto mode ermite aussi peut l'utiliser via Fukasaku et Shima, qui sont d'ailleurs moins réticents à l'idée de l'utiliser quand ils combattent avec Naruto qu'avec Jiraiya. Il y a littéralement aucun moyen de prouver que Jiraiya aurait la priorité sur les invocations par rapport à Naruto. Donc voilà, avec tout ça, j'espère que vous comprenez pourquoi Naruto mode ermite a dépassé Jiraiya. C'est tout l'enjeu narrativement, et c'est largement confirmé par les déclarations et les performances respectives des deux persos en combat. Bref, une autre déclaration concernant Naruto mode ermite qui peut être intéressante à noter, c'est celle du père de Shikamaru Shikaku qui affirme que ce Naruto est plus fort que tous les shinobi restants à Konoha réunis. Dans le même style, on a Katsuyu qui dit à la team Gai de pas intervenir pour pas gêner Naruto dans son combat face à Tendo. Mais bon, en vérité c'est assez sujet à interprétation parce que déjà, rien n'indique qu'elle connaît le vrai potentiel de Gai, qui arrive quand même à fouetter les fesses de Kizame et même à presser un peu Jubidara avec la 7ème porte, et en plus, dès le scan d'après, bah Katsuyu a dit à la team Gai que Naruto à un plan, vu qu'elle vient de l'entendre dire qu'il voulait rencontrer le vrai Pain. Voilà, donc faites ce que vous voulez de cette déclaration, mais si vous voulez l'utiliser pour argumenter que Naruto mode ermite est plus fort que Gai, je dirais que c'est pas forcément la meilleure strat, surtout qu'on a déjà vu la différence entre le boost du mode ermite et celui de la 7ème porte pendant la 4ème grande guerre ninja, je pose ça là.
Bref, on continue dans les déclarations avec celle de Zetsu qui dit que Naruto est probablement plus fort que le Sasuke Taka post-combat contre Killer Bee. Combat dans lequel Sasuke était encore diminué physiquement, et où il a quand même réussi à réagir à plusieurs assauts de Bee version 1 et même à le presser dans sa forme bijou avec Amaterasu. Pour rappel, après s'être échappé, Bee dit carrément que Sasuke est l'un des deux adversaires les plus forts qu'il a jamais affronté, l'autre faisant probablement référence à Minato. Dans la version anglaise, il dit même que c'est l'adversaire le plus fort qu'il a jamais eu à affronter, donc oui, Taka Sasuke c'est vraiment quelqu'un, et encore une fois c'est un Sasuke diminué physiquement qui a affronté Bee, sachant que ce même Sasuke progresse énormément en combat via sa haine et à sa maîtrise de son Mangekyo qui évolue. La preuve, au début du combat, même si Sasuke l'impressionne par sa réactivité, Killer Bee il dit que la team Taka n'est pas spécialement forte, et objectivement sans les autres Sasuke se serait fait défoncer, mais à la fin du combat il a encore progressé et Bee retourne carrément sa veste en admettant qu'il a rarement été autant mis en difficulté. Et donc d'après Zetsu, Naruto Modermite est supérieur à ce Sasuke, ce qui est déjà super impressionnant. D'ailleurs, après ça, Sasuke il fait une descente au conseil des 5 Kage et il progresse encore contre le Raikage, avec qui il arrive à faire jeu égal. Karin précise bien que le chakra de Sasuke se densifie et on voit qu'il est maintenant capable de déployer des parties de son Susanoo, comme la cage thoracique ou un bras par exemple. On le voit même réagir aux attaques du Raikage et son armure Raiton version 1, et il arrive carrément à le blesser avec son Chidori, ce même Raikage version 1 qui est capable de suivre facilement Naruto KCM en vitesse de déplacement, et qui est même suggéré comme étant capable de le blesser mortellement. Alors attention, je dis pas que ce Sasuke est plus fort voire de même niveau que Naruto KCM, vu que le premier réagit très difficilement au Raikage version 2 avec son Enton, pendant que le second arrive à l'esquiver physiquement avec son Chunshin, mais faut admettre que ce Sasuke est vraiment monstrueux en termes de réflexe et de vitesse, en plus d'avoir des pouvoirs surcheatés comme le Enton ou son Susanoo. D'ailleurs après ça contre Danzo, l'un des responsables du sacrifice d'Itachi, sa haine augmente encore et il développe toujours plus son Susanoo, devenant encore plus fort qu'avant, et développant même un jutsu surpuissant, la flèche de Susanoo. Et pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire, quand Naruto débarque, Kishimoto il nous fait comprendre très clairement que Naruto et Sasuke ils sont égaux à ce moment-là. Naruto dit que s'ils s'affrontent à ce stade, ils mourront tous les deux, et en prévision de leur combat, l'un va partir se faire greffer les pupilles de son frère pour réveiller le Mangekyo Sharingan éternel, et l'autre va partir s'entraîner à la maîtrise du chakra de Kyuubi. Donc ici, peu importe ce que vous pensez en termes de match-up, c'est vraiment pas sujet à interprétation que Naruto Modermite et Sasuke Mangekyo Sharingan sont de même niveau à ce stade. D'ailleurs, pendant l'entraînement à la maîtrise du chakra de Kyuubi, on a le droit à un aperçu de ce que ça donnerait si Naruto pouvait maintenir indéfiniment le mode ermite. Dans sa dimension spirituelle, Naruto affronte Kyuubi avec Killer Bee et plus tard Kushina, et il profite du fait d'être complètement immobile dans le monde extérieur pour malaxer du chakra Senjutsu en continu, tout en affrontant Kyuubi dans l'autre dimension. Et bordel, si vous lâchez ce Naruto-là dans la nature, mais vous aurez clairement créé un monstre. Le mec, il arrive à soulever facilement Kurama Yang pour lui faire un German suplex, avant de le frapper avec un Rasen Shuriken, et un peu après avec l'aide de Kushina, on le voit repousser le démon avec un barrage de Rasengan géant, avant de le frapper à nouveau avec un Rasen Shuriken pour lui voler son chakra. Donc vraiment c'est n'importe quoi, mais bon, on en parlait, dans le monde réel, Naruto ne peut pas exploiter aussi bien et aussi longtemps le chakra Senjutsu, parce qu'il a besoin d'un temps de préparation s'il veut exploiter au mieux son mode ermite. Et c'est là qu'on en arrive finalement aux limites de cette forme de Naruto. On a vu qu'il était plus fort que les Sanin individuellement, puisqu'ils sont tous relatifs, et qu'il a assez largement dépassé Jiraiya. On a aussi vu qu'il pouvait donner un combat à Pain, et qu'il était l'égal de Sasuke Mangekyo Sharingan du conseil des 5 Kage, lui-même capable de faire match nul contre le Raikage, voire potentiellement mieux que ça, vu que ce Sasuke progresse encore face à Danzo. Mais on l'a dit, le mode ermite demande un temps de préparation, et il est limité dans le temps. C'est notamment pour ça qu'une fois qu'il débloque le KCM, Naruto va toujours privilégier cette forme plutôt que le mode ermite. Même mieux, quand Naruto rencontre Nagato en Edo Tensei, il lui affirme qu'il est encore plus fort que lors de leur dernière rencontre, ce qui place d'office le mode chakra de Kyuubi non maîtrisé au-dessus du mode ermite. On le sait, le KCM offre à Naruto une meilleure versatilité, notamment grâce à ses bras de chakra et les variantes du Rasengan et du Rasen Shuriken que ça lui permet. Il possède une meilleure vitesse de déplacement avec son Chunshin notamment, et une vitesse d'attaque comparable à celle de Minato d'après Killer Bee. Pareil, en termes de puissance de feu, Naruto n'est pas limité à un nombre fixe de Rasen Shuriken comme c'était le cas en mode ermite. Et en plus, le KCM empêche pas du tout Naruto d'utiliser certaines techniques qu'on aurait tendance à associer plutôt avec le mode ermite. Je pense par exemple aux invocations. On l'a vu utiliser la destruction des échoppes contre des Zetsu blancs et invoquer Gamakichi face au Jubi, ou encore au lancer de Rasen Shuriken qu'il peut juste balancer classiquement comme en mode ermite ou via ses bras de chakra. Pareil, au corps à corps, on peut assez facilement prouver que le KCM est plus adapté que le mode ermite dans ce domaine, vu que Naruto privilégie toujours cette forme contre les Edo Tensei, que ce soit les Jinchuriki, les Kage ou même Itachi et Nagato.
D'ailleurs, je vois souvent des gens dire que le mode ermite a de meilleurs réflexes que le KCM en se basant sur le combat contre le 3ème Raikage, sauf que ce que les gens oublient souvent, c'est que quand Naruto choisit d'entrer en mode ermite pour toucher le Raikage avec sa propre attaque, bah c'est surtout parce qu'il vient de perdre le KCM en essayant de faire un orbe des démons à queue. Donc quand Naruto dit qu'en mode ermite il a une meilleure perception du danger, c'est pas forcément une comparaison avec le KCM, vu que comme je viens de le dire, il peut pas l'utiliser à ce moment-là. Finalement, c'est juste une remarque sur les propriétés du mode ermite, exactement comme celle que fait Fukasaku contre Pain. Après attention, c'est réel que Naruto mode ermite peut ressentir les choses dans un périmètre plus large et avec plus de précision en mode ermite qu'en KCM, et on le voit assez clairement dans l'arc de la Grande Guerre quand il l'utilise pour comprendre que la guerre a éclaté justement, mais ça prouve pas nécessairement que Naruto a un meilleur temps de réaction et des meilleurs réflexes qu'en KCM. On voit bien que Naruto mode ermite et KCM arrivent à réagir et connecter leurs attaques sur le 3ème Raikage, donc au mieux ils sont comparables dans ce domaine, mais on l'a dit, Naruto privilégie toujours le KCM pour les combats au corps à corps, donc ça prouve qu'il reste supérieur au mode ermite au global dans les domaines de vitesse. En gros, si on devait les opposer, un Naruto mode ermite pourrait sans doute réagir aux attaques d'un Naruto KCM, mais au global, le KCM reste supérieur au mode ermite. D'ailleurs, contre les Jinchuriki, on voit que comme en mode ermite, Naruto KCM arrive à utiliser sa perception en combat grâce à la capacité de ce mode à ressentir la malveillance. Bref, tout ça pour dire que même avec une version non maîtrisée du KCM, Naruto est au global un meilleur combattant qu'en mode ermite. Il est plus rapide, ses réflexes sont comparables, il est plus versatile et il peut bien sûr maintenir la forme plus longtemps, tout en spammant ses jutsu, y compris des clones qui sont d'ailleurs tous largement de niveau Kage, en plus d'avoir une meilleure puissance de feu. La seule statistique pour laquelle on pourrait défendre que le mode ermite est meilleur que le KCM, c'est en force physique, parce que Naruto a de meilleures démonstrations de force brute dans cette forme, mais en réalité, on n'a pas beaucoup d'éléments de comparaison avec le KCM, donc c'est même pas sûr. À moins que quelqu'un arrive à calculer la pression exercée par la mâchoire de Yonbi, mais bon, bonne chance pour ça. Et en soi, si le mode ermite agit comme une suractivation de l'organisme, bah c'est aussi le cas pour le KCM qui multiplie toutes les stats de Naruto grâce à son énorme volume de chakra. Donc voilà, Naruto mode ermite est bien entendu moins fort que le KCM, logique. Mais en même temps, le but de ma vidéo c'était de vous prouver que Naruto mode ermite est un monstre, et c'est pas parce qu'il apprend une transformation plus puissante qu'il reste pas surcheaté en mode ermite. La preuve, pendant la guerre, on le voit quand même utiliser cette forme plusieurs fois dans des situations bien précises, comme quand il l'utilise pour aider à retirer le récepteur de chakra de Yonbi de l'intérieur, ou encore juste après quand il refait un clone qu'il passe en mode ermite pour repérer les pieux du Rinnegan d'Obito sur tous les autres bijoux, grâce aux propriétés de perception du Senjutsu et à leur portée qu'on évoquait plus tôt. Ensuite, on le voit repasser en mode ermite pour frapper Jubito grâce à une attaque combinée avec Tobirama. Bon, après ça, il apprendra à utiliser le Senjutsu dans son mode Kurama, donc forcément on verra de moins en moins le mode ermite entre guillemets simple, même s'il l'utilisera quand même de temps en temps. Il l'utilise par exemple pour envoyer un énorme Rasen Shuriken sur Madara Edo Tensei, et plus tard dans The Last par exemple, on voit qu'il privilégie aussi le mode ermite pour élargir son périmètre de perception. D'ailleurs, on peut noter que le boost reçu par Naruto grâce au chakra Senjutsu quand il est en KCM2 doit être colossal, vu que comme j'expliquais au début, entrer en mode ermite demande un apport d'énergie naturelle proportionnel à sa propre réserve de chakra. Et pas besoin de vous rappeler la quantité astronomique de chakra que Naruto a quand il est en KCM2, ses réserves de chakra sont comparées à celles d'Hashirama, et il est capable de booster environ 40 000 shinobi avec sans transpirer, donc tout multiplicateur apporté par le mode ermite en KCM2 sera exponentiel. Dans Boruto, il dit d'ailleurs pouvoir maintenir la forme encore plus longtemps qu'avant grâce à son expérience, et vu son level stratosphérique en forme de base, qui est déjà plus fort que tous les Kage, eux-mêmes décrits comme les meilleurs combattants présents à Konoha pendant l'arc Momoshiki, vous pouvez être sûr que Naruto au Kage mode ermite c'est un sacré client. Même si bon, malheureusement, on n'a pas eu la chance de le voir vraiment en action, en tout cas pour l'instant. Et oui, je sais, en ce moment dans le manga, Naruto est pas au max, mais laissez-moi rêver. Donc voilà, je sais pas si ça existe encore les gens qui pensent que Pain pourrait faire sa fête à Naruto au Kage mode ermite, mais bon, dans le doute, je me suis permis d'apporter ces petites précisions. En tout cas voilà, Naruto mode ermite dès l'arc Pain, c'est l'un des shinobi vivants les plus puissants carrément décrit par le databook comme étant capable de rivaliser avec Pain. Et on a tendance à l'oublier, mais Pain c'est juste un putain de monstre, donc perdre contre lui alors qu'il vient tout juste de débloquer le mode ermite, c'est vraiment pas une contre-performance. Ce Naruto là, il a rien à envier aux Kage les plus puissants de son époque, et il en a même largement dépassé certains, et c'est ouf de se dire qu'il a atteint ce niveau là à seulement un peu plus de la moitié du manga, et qu'il progressera encore avec le mode ermite par la suite. Je vous jure que si Kishimoto avait décidé d'enlever les plus grosses restrictions du mode ermite, et qu'il avait permis à Naruto de spammer ce mode comme contre Kyuubi dans sa dimension spirituelle, bah cet hypothétique Naruto, il aurait donné un combat à la plupart des top tiers du manga, vraiment ça aurait été un monstre. Le potentiel du mode ermite c'est vraiment un délire, et on a bien vu ce que ça permettait comme genre de power-up sur d'autres personnages, je pense par exemple à Kabuto.
Et puis bon, faut pas oublier que la forme ultime de Naruto dans l'œuvre originale, elle repose justement sur l'énergie naturelle via le Modern Mitrikudo, qui est décrit par le databook comme la capacité à contrôler la nature et donc à malaxer des quantités astronomiques de chakra senjutsu, le tout sans risque et quasiment sans limite comme on l'a vu avec la forme Ashura à la toute fin. Bref, il y a vraiment tout dans Naruto Modern Myth, que ce soit flow, puissance ou encore potentiel. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici les potos, si vous êtes encore là, j'imagine que c'est parce que vous avez kiffé un minimum, donc si c'est le cas, faites-le moi savoir avec le petit like. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de Naruto Modern Myth, pour vous il est surcoté ou sous-coté? Au fait, je vous prépare plusieurs vidéos pour me faire pardonner mon manque de productivité en ce moment, donc abonnez-vous pour pas rater ce qui arrive. Sur ce les potes, pensez à rejoindre le Discord, et moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre Culture. Peace.